Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Là, c'est mon premier jour à New York, donc je viens d'arriver. Oui. On est là pour 2 semaines en amoureux. Donc. C'était fatigant. On a eu 8 heures de vol. Je déteste l'avion, donc ça a été un calvaire. J'arrive pas à dormir en plus, donc comment vous dire que... Enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, la fatigue, elle est passée quand j'ai vu la super ville qu'était New York. Je suis vraiment... Quand j'ai vu la ville que c'était New York, ça m'a enlevé directement ma fatigue. En fait, je suis tellement excitée pour... J'ai trop hâte. En plus, regardez, on a une de ces vues. Alors aujourd'hui on est dans le quartier résidentiel de Séville. Comment? Séville. Séville. Ouais, je sais pas si ça prononce comme ça. Là on attend le bateau pour aller à Cherry Grove, qui est une magnifique petite île du pays. Donc j'espère que ça va être beau et qu'on va pas être déçus. En tout cas on a hâte. Cette île, en fait, ce qui est spécial, c'est que c'est une île en fait que pour les gays. Genre là, on vient de rentrer dans une maison en fait qui était ouverte et ils nous ont et moi je me suis fait jeter en fait parce que c'est que pour les gars. Et oui, faites pas attention, je suis noire là, j'ai vraiment cramé. Alors là on vient de sortir d'un magasin, mais c'est un truc de ouf. En fait il y a genre plein de boîtes de céréales, on a acheté 3. On est trop contents, on dirait des enfants. Donc voilà, franchement il n'y a qu'aux États-Unis que tu as un magasin pour manger des céréales. En fait genre le magasin tu viens et tu manges des céréales. Genre t'as ton bot, tu prends ce que tu veux et tu manges des céréales, c'est un truc de ouf.
The American Museum of Natural Art. On le visite le soir, donc il n'y a personne, on est tout seul en mode VIP, c'est trop bien parce que du coup on voit tous les recoins. Top parce que ça nous a fait du bien d'être là, de se relaxer. Ça fait plaisir depuis le temps qu'on est là. On n'arrête pas de visiter et de marcher, donc on est fatigué, même si c'est beau New York, c'est fatigant. Et voilà, donc on profite un peu du beau temps. Il ne nous reste pas beaucoup de jours, donc on profite des derniers jours comme on peut. Donc voilà. C'était trop bien et là on va à Ellis Island pour visiter l'île d'Ellis Island.